il y a beaucoup de monde qui est analphabète à cette époque. Donc, comment on peut écrire des lettres? On peut faire pour au scribe, on peut demander au scribe. Mais quand on a des trucs intimes, des choses intimes qu'il faut communiquer à la maison, ou encore mieux, quand on a des trucs économiques, quand il faut parler de la gestion économique, et on n'a pas envie que tout le village arrive à savoir les choses qu'on s'écrit, eh bien, il y a un système très efficace. Non. À votre avis, la date de cette, de ces lettres, là on a deux lettres. Début 19e. Allez, je vais balancer, c'est la date de naissance de Lorenzo. 73. Moi, cher amour lointain, ici à la maison, tout le monde va bien, sauf le petit. Il est un peu malade. Vous voyez, il est un peu pâché. J'ai été envoyé une lettre, j'ai pas eu de réponse, je suis très préoccupé. Ta mère est tombée malade. On voit que c'est la mère parce qu'elle a un costume. Vous voyez qu'elle a un costume un peu à l'ancienne, elle est importante. Et donc elle est à l'hôpital. Elle est allée à l'hôpital. Mais t'en fais pas, je lui ai porté des trucs, je lui ai porté des cadeaux. Mais je me suis fait accompagner. Parce que la première chose qu'il faut dire au mari, c'est que je me porte bien. Je ne sors pas de la rue. Je me comporte bien. Donc t'en fais pas, je ne suis pas sorti seul dans la rue. En Sicile, 73. Tutti mi sono occupati da, non chiedi la sera.